Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un voilier sur fond de coucher de soleil. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement. Mais j'aurais très bien pu utiliser une toile en laine ou un format différent si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin d'orange, jaune foncé, rose vif, du blanc, du bleu de cobalt, ici il est légèrement éclairci, et du gris de peine. J'ai préparé un dessin très stylisé, très simplifié du voilier. J'ai tracé une ligne d'horizon un petit peu plus basse, pas tout à fait un tiers de tiers. Mon esquisse a été réalisée donc tout simplement au crayon papier achevé et ma petite astuce est que je vais la recouvrir de marqueur indélébile noir. Ainsi, je vais travailler comme mon fond comme si le voilier n'existait pas. Je ne vais pas avoir de difficulté à le détourer. Je vais travailler de manière large et transversale et le marqueur va légèrement ressortir. Il ne me manquera plus qu'à le remplir de couleur gris de peine. Donc je fais bien attention de ne pas déborder. Le marqueur étant indélébile, si je faisais une mauvaise manipulation, un mauvais trait, il ressortirait forcément sur mon fond. Donc ma première bande de couleur, je la fais jaune foncé, donc au-dessus de ma ligne d'horizon, je fais comme si le voilier n'existait pas, pour plus de facilité, une petite bande jaune foncé, je la prolonge d'une bande orange. Je ne fais pas une couche très épaisse, hein. Je couvre mais sans trop. Je mélange un petit peu de rose avec du blanc. Et je vais dans le prolongement de l'orange. Ici, du blanc pur. J'y suis bien à chaque fois avant de rentrer ma couleur dans la palette. Je prends mon bleu de cobalt qui était déjà mélangé. Avec un tout petit peu de blanc, hein. Et je finis avec du gris de peine pur. Je vais m'amuser à dégrader ces couleurs. Je ne vais pas les dégrader de manière linéaire. Je vais les dégrader de manière un petit peu oblique. Je reste longuement pour que les couleurs s'estompent bien, se dégradent bien l'une l'autre. Et j'essuie pour ne pas descendre trop vite les couleurs foncées. Je tiens mon tableau ainsi pour que vous puissiez mieux voir.
J'y suis bien. Je peux aussi utiliser les doigts. Si c'est un besoin ou pas de travailler avec les doigts, c'est peut-être plus facile. Je n'oublie pas d'essuyer mes doigts de manière extrêmement régulière. Je reprends le couteau pour lisser un petit peu. Donc mon couteau n'est pas à plat, je collerai, hein. Il est légèrement décollé. Le secret est de nettoyer très 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 souvent le couteau. Je prends du blanc dans lequel je mets un tout petit peu de jaune foncé. Et je viens en effleurant repasser du clair. Et je vais estomper. Je crée ainsi des effets. Caractéristique des couchers de soleil, je fais pareil avec un petit peu de rose. J'effleure. De bleu légèrement éclairé par dessous pour créer le lien. Un petit peu de blanc. Petit peu d'orange. Et quand mon coucher de soleil me plaît, j'arrête. Je viens travailler la mer très très sombre au risque de perdre un petit peu le bas du bateau. Alors je vais essayer peut-être de ne pas trop le couvrir ce coup-ci, contrairement au ciel. Essayer de le détourer, de l'éviter. Au moins, il avait la couleur foncée.
j'essuie bien mon couteau et je vais repartir donc comme si je pliais à la ligne d'horizon. Je vais repartir avec les couleurs donc jaune foncé, orange, rose, bleu. Et je vais repartir dans l'autre sens. Donc jaune foncé avec un tout petit peu de blanc. J'effleure. J'évite de trop y passer pour ne pas que cette couleur se sature au contact du gris de peine. Je continue sur de l'orange. Et sur le bleu. Je prends du blanc, un tout petit peu pour marquer très légèrement mon horizon. Je viens. Au départ, j'ai un tout petit peu de manière très très fine du blanc que je dépose. Je viens à l'aide de mon couteau découvrir le croquis du voilier dont le marqueur m'aide énormément. Si je n'arrive pas à bien voir parce que c'est un peu épais, je vais me mettre à la fenêtre et devant une source de lumière, devant la fenêtre avec le soleil derrière, je vais bien arriver à le retrouver. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Une fois mon dessin retrouvé en grattant grâce au marqueur, je peux maintenant le remplir. Donc je prends un petit peu de gris de peine et très délicatement je remplis la totalité de mon voilier. Je marque les reflets, d'abord les reflets de la coque.
puis les reflets des voiles. Que j'estompe très légèrement. Ça me plaît, j'arrête. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez ainsi de notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Le lundi à 17h pour un sujet plus classique et le jeudi à 17h pour un sujet plus abstrait. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Je vous dis à jeudi. Au revoir.